Hier matin, à toute nouvelle la tombée, qui s'allie, c'est que M. James Solage, M. Vincent Akrivira, M. Sayo, pral purger une peine toute la vie en prison aux États-Unis d'Amérique. Ah bon? Que pour Dr. Sam Sanon, Dr. Sanon, lui-même, l'est coupé et une peine de 20 années dans la prison. Et selon le dernier élément d'information que nous gagnons par le biais de FBI, il faut nous dire que les Yotale ont posé question à M. Sao dans prison avant même qu'il ait été transféré aux États-Unis. M. Yot a déclaré qu'il n'y a pas aucun lien. Pendant qu'il a parlé, ni dans le téléphone, aucun côté, avec M. Jean Laguerre Civil. Rappelons, nous étions toujours intervenus, côté, nous avons parlé de Jean Laguerre Civil. Est-ce que ce n'est pas une méchanceté, enfin, monsieur, Léo Kébé, monsieur, parce que c'est monsieur qui a lancé l'opération, monsieur, qui a eu Léon Charles, et bien, monsieur Jean Laguerre Civil, lui-même, c'est lui-même qui a lancé l'opération. Cherchez assassin. Il était là, c'est. Directeur général. Qui t'a parlé de directeur général de la police, notre petit soulier, qui t'a trouvé sous place Saint-Pierre. Et dans un moment, monsieur a lancé l'opération, côté Otabral, et matraqué le Colombien en bas de balle, et arrêté ça côté qu'il faut arrêter, et il y a d'autres témoins. Nous rappelons ça, mais cette opération a été lancée par monsieur Jean Laguerre Civil. Est-ce que c'est ça qui l'a causé qu'il est en prison? Mais un fait est clair, c'est que les opposés, M. Sao question, M. Solage, M. Rivira, M. Vincent, M. Solage, M. Vincent, M. Rivira et M. Sanon, quatre M. Sao qui ont transféré dans la prison États-Unis d'Amérique, M. Odi, il n'y a pas de parler, il n'y a pas de gagner accord, il n'y a pas de gagner entretien avec M. Jean Laguerre Civil, qui est chef sécurité présidentielle, qui lui-même est habité dans la zone. Mais non, pour l'accès à là, est-ce que ça veut dire que l'enquête en Haïti a fini? Non, dit non, l'enquête n'a pas fini, parce qu'il revient à la justice haïtienne pour trancher sur question qui est avec le mort de Jovenel Moïse. Là, parce que ce n'est pas seulement et des mouns. Et LBI, il veut joindre. Mais M. Sao, 4 M. Sao, trempé à fond dans l'attaque qui était faite sous résidence président Jovenel Moïse. Donc, dans le moment où on a parlé là, c'est que le juge Walter lui-même, qui est sous dossier, et bien, monsieur lui-même a continué l'enquête lui, ok, pour garder de près ou de loin, est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité de X ou de Z? Est-ce qu'il n'y a pas de une irresponsabilité, un manque de prise de position, un manque de prise de. On dit. On prend responsabilité. Donc, on est là que le monde doit diriger. Mais il faut qu'on ait une responsabilité. Par exemple, et le monde qui est responsable, non plus au niveau de la sécurité du président, il y a des questions pour répondre. Mais. Des questions pour qu'on ait de quoi s'agit-il, pour qui ça est président, pas privé, moins et support ou bien on se attend dans le moment que lui-même, un peu bandit, nexayo, mercenaire, t'as fait assaut sous la caille président de la République, là, Jovenel Moïse. Alors, un fait est clair, c'est que, et selon les derniers éléments d'information, M. Jean Laguerre Civil, eh bien, selon M. 4 M. Sao, qui eux-mêmes, et des trois là-dedans qui écopé une prison à vie, à savoir M. Vincent, M. Solage et M. Rivira, eh bien, Mounsa a écopé un emprisonnement de le dossier est déjà sorti, le dossier est déjà là, et M. Sanon, lui-même, va passer 20 années dans prison aux États-Unis d'Amérique. Donc, qui s'est clavier, je ne sais pas là, est-ce que. Nous
capable de dire que l'enquête sur l'homme au fils de Jovenel Moïse a fini. Qui ça a commencé avec CTU qui lui-même est chargé pour être capable de recruter mercenaires. Donc c'est la grande question à poser. Et les autres interpellés dans le cadre de ce dossier, qui ça va faire avec eux, ceux qui sont déjà en prison, les policiers de l'USGPN, de l'USPI, de TACIM, qui vont nous fermer notre muraille dans le pays, qui ça va faire avec eux, est-ce que la justice haïtienne va libérer eux par rapport avec un dernier dénouement et situation ça, nous ne connaissons pas. Et monsieur Sayo, monsieur Sayo, oui, oui. Est-ce que monsieur Tevin Cheche, FBI Tevin Cheche, est-ce que yo tout ces moun qui naturalisé aux États-Unis? Oui, moun sa yo c'est des moun qui c'est des américains, c'est moun qui alors faut qu'on dise que c'est haïtiano-américain, à l'exception de monsieur Rivera qui sont colombiens. Par contre, s'il gagne une nationalité américaine, mais un fait est clair, c'est que FBI a mené une enquête et a posé une question depuis le début de l'assassinat du président, depuis le commencement, on nous dit depuis l'air à la passée, FBI a mené une enquête et il est arrivé à la conclusion que quatre M. Sayo, mais ils ont impliqué à fond dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, ni dans sa nouvelle et perpétration de crime même, et direct ou indirect. M. Sayo lui-même, et comme moun qui lui-même et qui lui-même est impliqué et parce que lui-même était by moun il était by moyen pour être capable de perpétrer le crime. Donc les États-Unis d'Amérique, le tribunal des États-Unis, by monsieur Sayo peine et qui allait jusqu'à 20 années pour monsieur Sayo comme pasteur et médecin de son état. Mais ben passer 20 années en prison. Donc Esaïe. Oui. Et ou aplo alors c'est un bagage qui te dit États-Unis c'est prend un jugement sur responsabilité. Et ben est-ce que jusqu'à présent c'est un jugement de tête ou bien de pays Haïti États-Unis ou bien pas connaît ça qui a passé là parce que l'autre se quitté hein, ou se dit que jugement toujours à continuer à travailler à faire ici et donc avec les gens qui étaient dans la prison ici. Yo. Mais alors que nous te connaissons que les États-Unis t'es assumé pour tout le bagage de responsabilité, ça qui t'appelle faire le Florida. Alors, il faut dire que les États-Unis lui-même est concerné par le dossier parce que. Et par exemple, si CTU, qui c'est l'instance qui était recrutée, mais le scénario où tu allais assassiner le président, c'est États-Unis d'Amérique. Nous parlons qui ça, qui décide de prendre avec CTU. Maintenant, M. Sayo même, et les trois là-dedans qui c'est des Américains, des Haïtiens américains, co-américains en Amérique. Donc, les États-Unis, ils ne même pas à la justice haïtienne de trancher okay, sur le cas de ces interpellés, ou je dirais sur le cas de Moun qui fermait en prison dans le cadre de dossier ça. Nous connaissons que, Moun ça fermait, et nous connaissons selon la justice, est-ce que juge d'après voyez Moun ça devant le tribunal pour juger, ok, devant l'assise. Est-ce que la libérer la dent yo ou bien la kembe ou bien la libérer? Donc il y a là, il revient au juge instructeur qui lui-même a coûté ça. Il y a 3 mois pour enquêter sur ce dossier. Donc 3 mois ça finit déjà. Est-ce que nous avons un ticket de l'allonge d'un? Par contre, mais un fait est clair, c'est que juge Walter et lui-même, lui tout continue à mener. Et instruction et côté pour le mener. Donc ça veut dire que c'est quoi ça va là et là, et les États-Unis d'Amérique même, et nous on est très concernés par le fait. Par nous, c'est ça, parce que le criminel lui-même, il perpétré, ok, il commence à orchestrer sur le territoire américain, et Colombie, Saint-Domingue, et de fait, les États-Unis, en fait, eux-mêmes, ils ont délégué un type pour mener une enquête, droit-droit.
pour capable garder exactement implication des Américains, implication de certains Américains et monde qui des nationalités américaines dans le cadre de ça. Et c'est ça que fait. Et vous imaginez que ça va arriver, et même vous allez regarder pour les Américains, vous voyez enquêteurs aller dans la prison, hein, aller questionner divers policiers qui étaient dans la chaîne sécurité président pour garder quel lien qui existait entre eux-mêmes avec Afro-Américains qui étaient impliqués directement et dans le cadre de ça. Et bien, c'est ça que fait pour aboutir avec l'extradition de M. Rivera, M. Sanon, M. Solage et M. Fesson. Rappelez-nous de M. Sao déjà, il y a habitué de travailler pour des agences américaines, à savoir la CIA et la DEA et Drug Enforcement Agency. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des mouns et qui tout nouveau dans le système américain. Donc les États-Unis d'Amérique, même lui connaît exactement et ça l'affaire. Donc là, il revient à la justice haïtienne de trancher dans le cadre de ce dossier le mort président Jovenel Moïse. Maintenant, que dit Martine Moïse? Quelles sont les réactions de Martine Moïse? Quelles sont les réactions des proches du président Jovenel Moïse? Nous, Pocola, nous ne connaissons pas exactement. Martine Moïse nous connaît. Lui, en Floride, c'est là la vie assassinat président. Est-ce que c'est Père qui fait que il ne va jamais retourner dans le pays pendant combien de temps? Et il fait silence. Et juste à l'heure, dit que lui est capable de candidat à la présidence. Maintenant, nous ne connaissons qui ça a fait. Un fait clair, c'est que le dossier de Jovenel Moïse, il prend une autre dimension côté les Américains, la justice américaine. Eh bien, il a tranché sous question M. Sayo, qui lui-même est impliqué à fond dans quatre dossiers qui a eu la mort de Jovenel Moïse. Alors, c'est le cas de le dire. Maintenant, et Martin Libali même t'es à continuer à suivre le dossier ça et à continuer à suivre le dossier. Qui va aller avec le dossier? Est-ce que les autres interpellés qui sont dans la prison, et les policiers, et des policiers et d'autres civils qui étaient déjà épinglés dans le cadre de ce dossier, est-ce que Jusla lui-même est prêt à baisser les bras? Est-ce que Jusla lui-même prêt à faire sortir le rapport final? Qui pral dit, rapport final là, qui veut dire que, est-ce que juge pral voyer moun sa yo, ou bien la, gagner la, cap, acquitté, cap libéré, et gagner qui pral juger devant tribunal criminel. Alors, c'est là, nous y est là, c'est ça, et là, nous y est, nous ne connaissons pas ce qui va passer, mais tout le bagaille, nous met juge Walter, qui lui-même, mais à part, et dirigeant de l'enquête, nous vous rappelons, nous avons déjà gagné 4 autres juges, et juste et ça, lui-même, c'est le 5e juge qui travaille sur le dossier. Nous rappelons qu'il était élu président en 2017, qui était passé dans le TPIA, et après, monsieur, il a pris le mauvais coupon, et il a pris assassiner le président sous base que le président t'avait trop arrogant, sous base que le président est pas respecté le pouvoir, sous base que le président Jovenel Moïse pas respecté le monde dans le secteur privé, sous base que Jovenel Moïse était Québec pouvoir pour lui, il pas fait espace coup de baillo, mais monsieur Tabral entré la caille du président Jovenel Moïse et puis abattu et tout est pété chez lui. Et un crime odieux. Oui, oui. Et mon cher, heureusement, FBI vient pour monsieur là, mais ce n'est pas ça qui fait l'actualité. Il n'a pas détourné l'actualité à tout. L'actualité, c'est toujours policiers qui ont tombé. Et il y a un dernier policier là qui disparaît. La police, la caillou. Au sens, c'est un policier. Et continuer à payer. Et je ne sais pas de qui ça, ou même comment c'est un policier. Et ou pas un lien de neuf là pour 10 sous question problème policier. Et Nandi et bien Matadout, selon les derniers déroulements de l'actualité en ce qui a trait à la question policier, eh bien, c'est un meeting qui a fait un peu partout. Et avec certains responsables de la communauté internationale
pour capable joindre une solution à la question insécurité. Et nous avons déjà connu monsieur El France Elbet a écrit madame Sabinion lui-même et pour demander pour que général Elbet Esaü information ça information ça gain doute. Et oui, il y a qui dit bien doute, mais il y a déjà la police nationale pour confirmer ou infirmer et ça, exactement. Mais il faut que nous connaissions que monsieur, dans le niveau autorité nous dans le pays, a toujours gagné et communauté, avec membres de la communauté internationale là, sous déploiement force. Est-ce que force ça, il y a une possibilité, naturellement, si pour force débarquer dans le pays, force c'est une instance qui place pour bailler logistique, moyen logistique qui pour faire ça. Par exemple, si le Canada ou la France ou les États-Unis a boué force ici, faut directeur général police là qui l'a, faut qu'il baille et faut qu'il baille à vie favorable pour que bah, moyen logistique, c'est-à-dire que espace pour capable loger et force militaire. OK? Parce que en tout cas nous va, ça, nous pas dans ça non papa. Nous pas dans ça non même nous pas dans ça même non nous même. C'est pas ça gain là non? Comment? C'est pas ça gain là parce que c'est nous même qui détruit la caille nous, c'est nous même qui mener pays à un état ça, c'est nous pour dégager nous. En tout cas, c'est ça lié. Il faut que nous et les réunions qu'on a fait et un peu les réunions qu'on a fait et pour qu'on ait qui ça a fait, est-ce que vous pouvez remplacer M. France LB, c'est gros bagage ça qui a parlé dans le niveau de la primature, dans le niveau pouvoir, et c'est gros réunions qu'on a fait, et il y a des noms là, il y a un autre nom qui vient ajouter sur liste là. C'est M. Karl-Henri Bousquet. Appelez-nous. Je ne vais pas de Karl-Henri. Je ne vais pas de. Et après, l'inspection générale, il a sorti un rapport favorable à M. Sa qui dit que M. Henri Bousquet n'a pas rien à voir dans l'attaque qui était faite sous policier le 12 mars 2021. Donc, Karl-Henri Bousquet, libre de ses actions, Karl-Henri Bousquet et comme élément de la première promotion de la police nationale et qui passait plusieurs et étapes de formation, et Karl-Henri Bousquet, Michel Angédéon et Normile Rameau, c'est trois noms qui sont tabla selon les derniers éléments d'information, confiance, qui ont discuté et gagné, Il y a un autre nom, que M. Jacques Adair. M. Jacques Adair. Qui t'a joué au DCPA. Allô. M. Jacques Adair. Ok. Bon dernier, là, et Haïti, là. Et que nous-mêmes nous gagnons la information. Évidemment, nous ne devons pas venir sous ça. Ma parole, matin débat, nous ne devons pas beaucoup venir sous ça. Mais vous connaissez les policiers, vous avez avancé. Et t'as gagné vraiment deux noms qui. Alors, t'as gagné vraiment deux noms. Alors, et moi-même, à Cloukou, nous avons parlé sous nos salons. C'est Jacques Adair et c'est Rameau qui t'a dû retourner. Maintenant, bon problème. Il y a un problème avec. Avec Rameau, ma bestie, quoi? Ma pense à comme information. Bon problème avec Rameau. C'est que tout le monde connaît depuis c'est Rameau qui retourne, n'est-ce pas qui besoin de faire élection pour prendre élection, il n'est pas capable. Parce que avec Rameau ou Papa, Rameau ne peut pas accepter ces deux bagailles. Ouais, c'est problème ça. Rameau, c'est problème ça. C'est quand vous me dégadouillez, il n'y a pas homme d'équipe. Monsieur Pape Mele. Elle dit que, non, moun kap fait des machos, même gen moun kap barré non ça. Qui gétan dit, si c'est monsieur qui vient là, nous pas casser ça, nous pas casser là. Parce qu'on connaît, par principe, nèg ici, de pour nan pouvoir, c'est faire élection pour prendre élection, pour qu'a toujours été dans pouvoir. Maintenant, Jacques Adair, c'est que c'est pas un nèg. Nèg dou c'est pour nèg qui cherche ses amis Taïmoun. Voilà. Jacques Adair son nèg dou. Voilà. Jacques Adair, tant de bien matin. Jacques Adair, il pas un contrôle parce que son nèg
et yo di monsieur très mystique, yo di monsieur diamant pile, yo di monsieur opérationnel. Oh, c'est pas tu vas pas nous. Oh, bien entendu. Yo di ça garder son diablier. Oh, on va dans ça. Bouge à Kader. Alors bouge à Kader est arrivé. Et DG, faut que c'est moun Saint-Marc même. Moun la Tibonite Saint-Marc, c'est eux même. J'ai l'impression que c'est eux même seulement pour t'avoir un pouvoir, mais c'est DG pour m'y être arrivé là. C'est ça. Alors faut que nous disons que hier matin, qui ça qu'on fait là, c'est que au conseil de transition, hein, et 18 semaines qu'on vient là, et docteur Ariel Henry a déjà pris une décision pour capable même procéder à l'installation de ce haut conseil. Est-ce que le haut conseil après arriver son bagage est plus ou moins et acceptable ou bien je dirais et pour être capable d'avancer avec crise à gain là en notre pays, hein? Nous ne connaissons pas, mais ce que nous connaissons, capable de dire que le matin à tout, bagage est vraiment difficile. Et kidnapping un peu il y a tiré le monde, il a mouru. Et M. Liancourt a fait un pile l'obéi, il a tué le matin là, il a tué le monde dans Liancourt. Et mon jeune garçon a déjà tombé et en babal, trip M. sorti. Et nous capable de dire qu'il y a deux mouns hier soir, ils ont découvert le cadavre, ils ont cassé, ils ont fait tout et ils ont passé au bout le cadavre dans Delma 60. C'est des véritables kidnappings à faire. Hier, ils ont kidnappé un monde, ils ont quitté la machine dans Delma 75. Donc, ça veut dire que les matins, tout le monde n'est pas aussi facile. Et M. Vitelomio, il y a paré là, selon le dernier élément d'information, il y a paré là pour un très belle ville avec tout le matériel qu'il y a pour casser un peu le caille dans Belleville. Donc, en même temps, il y a pour comment être capable d'attaquer l'Académie de police là par derrière. Ça veut dire que nous connaissons l'Académie de police là et dans un côté, il y a, selon M. Yo, il estime que. Et à cause de l'Académie de police, il n'y a pas qu'à faire face au juge Michel. À cause de l'Académie de police, il n'y a pas qu'à faire face au juge Michel. Il n'y a pas qu'à faire ça à conseiller des bagailles dans la zone où c'est là. Donc, il y a organisé que il y a crasé le juge Michel, il y a crasé Belleville. Donc, est-ce que vraiment la police nationale et sous leadership France LB a quitté que monsieur et vite l'homme rivé à bout de tout ça que lui entend faire. Donc, n'a dit, et Pierre Matadout, en ce qui a trait à question qui vient à voir avec invitation, Louko Désir, Esaïe César, Henri Guerrier, et que n'a salué tout, et Henri Guerrier, et n'a dit tout, et pour que, et ça qu'a fait là, il y a des menaces directes qu'a fait sous tête. Et confrères à eux qui dans la radio média pour tout eux et que Paris doit parler n'importe qui genre selon dernier track ça sorti là. Donc n'a dit et nous t'es gourmet en pile haïtien t'es gourmet en pile haïtien t'es gourmet pour que nous gagnions la loi bouche pour que nous capable parler pour que nous capable gagner la loi la parole et pour nous capable des droits la parole pour que la liberté d'expression est capable sans problème mais malheureusement je ne veux dire là pas connait qui ça fait est-ce que journaliste pas gagner roi intervenu je ne veux pas parler donc c'est ça qui a passé là je veux dire là moun voulait mettre mise en bouche journaliste. Nous allons regarder exactement. À propos de vous-là, que... Le rivière là, livre dit danger. Est-ce que vous voyez capable de kembe ça, mon gars là? Est-ce que vous voyez ça qui là, capable de camper en face de la presse pour mettre nous en déroute? Nous ne pouvons pas. Mais un fait est clair, c'est que la presse a continué à travailler. Les journalistes, ils sont libres d'exercer leur profession avec toute équité, avec tout professionnalisme. Bonne journée. Louko Désir, Campémine, et le report a été déjà effectué. La demande de report pour l'invitation qui était faite pour moi et pour Cameron Péguijan, M. Caleb Jean-Baptiste, mais déjà écrit commissaire du gouvernement, M. Jacques Lafontaine, qui n'a pas besoin d'une certification pour le cas exercer profession de. Alors, pour le cas exercer fonction de commissaire du gouvernement. Et je t'ai demandé pour que mettez-le dehors dans l'appareil judiciaire. Merci à tout le monde d'avoir été branché. Maintenant, nous sommes toujours à New York, en direct de New York City, et spécialement du côté de Long Island, côté de saluer M. Lavé Chaudière, qui a même toujours branché l'émission Maté Débat, car je suis dans ce moment-là, en direct de New York. Et ça y est, Maté, on est passé dans McDonald's ou bien dans Kentucky?
nous gétons pour tout bon bagaille là depuis la caille. Nous bon bagaille depuis la caille, nous bien organisé là, on en forme bien matin à tout. Eh bien, OK, bonne journée.